Salut à tous, je vais essayer de vous proposer le live de mon côté en espérant que ça lag pas trop avec Fraps de la bataille contre Beauvais. Alors les chances que je me fasse décimer sont de 99,9%, mais on va essayer d'y aller tranquillement. On va se battre, on va voir un petit peu comment ça va se passer. Je vais devoir choisir la map, alors je ne sais pas vraiment quelle map choisir, je vous cache pas. Allez, on va prendre une crête alpine. C'est assez plat, ça peut être sympa. Et je vais choisir une armée. On va voir une armée assez équilibrée, je pense. De toute manière, on est là pour le fun, alors on va se faire plaisir. 3 samouraïs de Naginata, 3 moines. Je vais prendre aussi des épéistes. Alors, en épéiste, je vais prendre. J'hésite à prendre des Nodashi. Je vais aller voir les Nodashi combien sont leurs stats de base, parce que j'ai supprimé mes Nodashi vétérans. Malin comme je suis. Où sont les Nodashi? Je suis un peu perdu. 12, 5. Ouais, non, c'est pas terrible. Je vais juste couper Steam pour pas qu'on me dérange et qu'on me laisse concentrer. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Je vais prendre pas mal de cavalerie. Cavalerie mona avec le cri de guerre, ça peut être pas mal. Cavalerie carry, une. Je vais prendre deux cavaleries archers pour tester, de toute manière. Ça coûte rien d'essayer. Oui, problème à cause du régno. J'ai malheureusement moins d'aptitude au rechargement, mais bon, c'est pas grave. Cause un peu d'argent, je vais prendre deux Ashigaru Yari, trois même. Je vais prendre maintenant des katanas. Deux katanas, je prends ce que je vais prendre. Peut-être pas un katana, peut-être. Alors que j'ai quoi, 14, 10, 23, 16, 10, 19. Ouais. Ça dépend, lui, il y a combien? 14, 13. 16, 10, combien de charges? 12 de charges. Prendre peut-être lui. J'ai encore un peu d'argent pour un Ashigaru Yari, ou pour deux, peut-être. Deux de ces catégories, ah oui, ça c'est pas mal. Et j'ai encore un peu d'argent pour un grade. Un grade sur quoi? C'est ça la question. Quelle unité je peux mettre un grade? Il me reste encore un petit peu d'argent, 76. Je ne sais pas quoi en faire. Je ne sais pas quoi en faire. Ça, c'est gênant. C'est un petit peu gênant. Ouais, j'ai vraiment pas grand chose pour mettre à la place de ça. Si ce n'est rien du tout, quoi. Si ce n'est rien du tout. Je vais prendre un Ashigaru Yari. Bon, là honnêtement, je ne sais pas quoi prendre, je suis un peu perdu. Je vous le cache pas. Je vous cache pas que je suis perdu. Peut-être une moins bonne cavalerie, une cavalerie Yari de niveau de base. Pour économiser un petit peu d'argent, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec une cavalerie. J'ai encore 200 d'argent. Ouais, non. On peut prendre une cavalerie Yari gradée. C'est vraiment compliqué de choisir une armée là. C'est une armée expérimentale, donc du coup je me retrouve avec une armée qui est un peu bizarre, un peu étrange. Ah, attendez, ça là, samouraï à cheval. Ils ont des flèches, je me souviens. Et ils ont une bonne aptitude à recharger, c'est peut-être prendre ça. Bon, ils sont moins nombreux. Ouais, mais ça coûte le même prix, donc ça m'arrange pas. Bon, je peux bosser, c'est pas grave, je vais prendre un Ashigaru Yari vétéran, et puis on va pas se prendre la tête, j'ai envie de vous dire. On va être là for the fun. Ok, ben on va se retrouver sur le champ de bataille tout à l'heure. Ok, nous voici donc sur la map Crête Alpine. J'aime pas trop ça parce que je commence du côté de l'eau, mais c'est pas bien grave. Alors, je vais disposer mon armée comme suit. Je vais prendre mes 3 samouraïs Naginata, je vais les mettre là. Mes 3 moines... Ça m'arrange pas parce que j'en ai 3, j'aurais dû en prendre 4. Je vais renforcer ce flanc, je pense. Et si j'en avoir qu'une, bah tant pis, c'est pas grave. Juste derrière, je vais mettre mes 2
katana. Alors l'idée c'est que je vais essayer d'envoyer ces trois unités pour bloquer l'ennemi. Et ensuite, une fois qu'il sera bloqué, je vais contrecharger avec mes katanas juste derrière. Et évidemment, entre ce que je prévois et la manière dont ça va se passer, il va y avoir un petit décalage. Mais c'est pas grave. On va faire avec les moyens du bord. Hein. On est un peu là pour gagner, mais on est aussi là pour se faire plaisir. Voilà, je vais mettre mes deux cavaliers d'archer là-dedans et mes deux autres cavaliers derrière. Alors ça fait beaucoup, ça fait beaucoup de monde à diriger. C'est clair. C'est pas une bonne idée d'avoir autant de soldats. C'est pas une idée lumineuse. Et je vais aller. Qu'est-ce que j'ai la forêt à gauche. J'ai la forêt à droite. J'ai la rivière sur la droite. Est-ce qu'elle est guéable? Je ne sais plus. On ne dirait pas. C'est pas très clair, non. Elle est sûrement guéable, mais je vais passer par la forêt. Ici, ça va être mieux. J'hésite à mettre de la cavalerie dans la forêt sur la droite. Ma cavalerie. Mais je préfère pas trop la... Pas trop l'écarter de mon dispositif. Si vous voyez ce que je veux dire. Ok, je suis prêt. Je vais attendre qu'il soit prêt de son côté. Je vais laisser son petit temps. Ok, c'est parti les amis. On va commencer à avancer un petit peu, tranquillement. On va pas trop se presser parce qu'il y a le cri de guerre à activer. Et on va voir de son côté qu'est-ce qu'il nous amène. J'avais prévu qu'il amène pas mal de moines et il a pris le samouraï Nagata. Oh le fail, j'ai failé. Totalement. Ah, il a un petit moine sur le côté. Bon, bah je vais essayer de le tirer dessus. Et là au milieu, cavalerie de moine. Moine, cavalerie de moine, cavalerie du feu. Ok, pas d'archer de son côté. Ça s'annonce plutôt sympathique. Il va essayer de prendre la colline, ce qui ne m'intéresse pas particulièrement, étant donné qu'il n'a pas d'archer. Donc voilà. Qu'il la prenne, la colline. Moi, j'en ai pas besoin. Alors, vous inquiétez pas si pendant la partie je m'arrête de commenter, je suis un peu concentré. C'est un très très bon joueur, hein. J'en suis à 150 batailles à peu près en multijoueur. Il en est à 1500, quelque chose comme ça. Donc, bah, je vais essayer de m'appliquer tout simplement. Bah, on va y aller, hein. Tranquillement, mais sûrement. Alors, sa cavalerie me fait pas trop peur. Là-dessus, ça va. Ce qui me fait un peu plus peur, c'est ses samouraïs Nagata qui ont 13-21. Ma parole, c'est meilleur que les miens. Et son corps d'armée est légèrement assez faible. Ouh, samouraï katana, 22 d'attaque, 4 de défense. Ça va être tendu le combat en mêlée, je vous le dis là. Bizarrement. Ouais. Pas tant de défense que ça de son côté. Quand même pas mal hein, de défense, ceci dit. Et surtout, beaucoup d'attaques. Mieux que moi, en tout cas. Alors le cri de guerre, il en est où? Encore 1 minute 26. On va peut-être temporiser un petit peu. Je vais utiliser mes archers manuellement. Je vais pas remettre le foil en volonté, parce qu'ils auront tendance à tirer comme des oives. J'essaie de m'avancer un peu avec. Et le forcer à venir au contact. Alors il est en contact, ça y est. Sans surprise. On va de ce côté-là cadrer la situation afin de se protéger. On va protéger notre général contre la cavalerie qui arrive. Attention, le général peut contrecharger maintenant avec ça. Voilà. J'ai. Je vais lancer mes katanas, je vais lancer le ralliement, je vais augmenter les statistiques de mes unités. Je vais mettre se lancer au combat. Où est ma cavalerie hachée? Elle fait que de la merde. Attention. Je prends des risques là. Toujours pas de cri de guerre de mon côté. Attention.
se passe comment ici? Oula. Des soucis de micro-gestion de mon côté, c'était prévu, et mon armée se fait un peu destroy. Alors ça se passe pas exceptionnellement bien de mon côté. La cavalerie moine, disons, c'est des costauds. Je vais emmener plutôt ça en renfort de ce côté-ci. Et mon général va se faire choper. Donc là, ça sent la victoire de son côté assez facilement. J'ai envie de dire GG de sa part quand même. Hein. Enfin, de ce côté. Il s'est bien battu. Et moi, bah, j'ai fait que de la merde. Je vous le cache pas, je suis assez déçu de mon... de ma bataille. J'ai fait des grosses erreurs de micro-gestion, trop concentré à parler et pas assez à me battre. J'ai trop d'unités qui ont rien fait sur le champ de bataille. Et on sa cavalerie, mon dieu, elle est costaud. Bon, ben GG à lui, hein, voilà. Et donc voici les scores, bah, j'ai déployé 1800, donc beaucoup trop d'hommes, hein. Franchement j'ai déployé beaucoup trop de soldats. J'en ai tué 1200, enfin 1200 pardon de son côté, j'en ai tué que 700, il en a tué 1500 de son côté. Mon armée était vraiment un peu trop nombreuse, mais je savais qu'elle allait utiliser lance déséquilibrée. Et lance déséquilibrée, bah, voilà, bah, ça déséquilibre, hein, comme on peut le dire, le jeu, un petit peu, quand, par rapport à quelqu'un qui l'a pas. Donc du coup j'essaie d'aller sur le nombre, mais malheureusement trop d'erreurs de micro-gestion. Pas assez de concentration de ma part, donc on se retrouve pour la prochaine bataille. Bon, nous voici de retour. Il a choisi la map ville fluviale. Il faut avoir un peu de cave. Je pense que je vais changer un petit peu mes vassaux, peut-être enlever l'enseignement régnaux, le remplacer par... je vais faire un truc qui est moche à mon avis comme tactique dans cette bataille, donc attention, ça va vous piquer les yeux. Je vais le remplacer par la voie Ikuiki si je le retrouve. Voilà, je ne le trouve plus. Il est où? Ah, il est là. Il est là, et je vais prendre plein de petits moines tout moches. Plein de petits moines tout moches. Ils ont quoi comme statistique, mes moines? Ouais, 18-20. 18-20, ouais, c'est pas dégueu. Bon, j'ai plein de prendre moines. Non, ouais. Il prend le truc qui fait moins trop lancier. Les pays, de toute manière, ils ont aucune chance de tuer ces mecs. Donc, je vais prendre ça. Prendre quand même... quand même quoi? Les samouraïs Naginata, peut-être? Coûte cher. Comment ça coûte bezef? Oh, je vais faire un spam de moines. Prendre de la Shikaru Yari, comme toujours. 3. Ça suffit. Je vais prendre de la cavalerie moine. Cavalerie moine, combien? 14-16. Ah, c'est pas moche. Je vais spammer de la cavalerie moine. Alors, on va y aller. On va y aller version Ikuiki à l'ancienne, j'ai envie de vous dire. Ça va être moche. Vous allez pas m'aimer. Ça serait même hideux cette bataille, je pense. Des chances que ce soit un scandale pour l'humanité. À moins que je modifie encore un vassal. Je mette à la place de plus un d'attaque, ce qui n'est pas indispensable pour mon armée. Quelque chose qui améliore les breteurs. Plus de défense pour l'infanterie de breteurs. Ça me fait quoi comme statistique pour ces... Je prends peut-être des breteurs pour vous faire plaisir. Comme ça, tout le monde sera heureux. 16-11, ouais, c'est pas dégueu. Je vais enlever ces deux moines. Je vais mettre ça. Et ça, 18-8. Ouais, c'est un petit peu d'argent. C'est un petit peu d'argent. J'en viens de mes moines. Je vais mettre un autre katana. Il me reste toujours un petit peu d'argent. Je vais mettre
Nashigaru y arrive, vétéran. Voilà. Bon, bah, elle est bonne mon armée, je pense que je vais me prendre une deuxième grosse déchirure. Mais c'est pas grave, allez, for the win. Ok, il a toujours utilisé son lance déséquilibrée, donc ça m'étonne pas. Alors dans cette bataille, je vais essayer de me concentrer un peu plus, un peu moins à rater ma micro-gestion. Quitte à parler un peu moins, c'est pas grave. Parce que la micro-gestion de la première partie était un désastre, hein. Faut savoir dire les choses telles qu'elles sont, ne pas se cacher certaines vérités. J'ai raté ma... J'ai raté ma première partie. J'ai pris 3 Hashiguri, ça servait à rien. C'est pas grave. Je vais prendre 2 caves qui sont pas très très bonnes, je vais les prendre ici. Et mes 2 caves qui sont très bonnes, je vais tenter un truc qui va certainement rater avec des chances avoisinant les 99%. Mais de toute manière, comme je vous l'ai dit, on est là pour le fun et puis on va tenter des choses ensemble. Hein. De toute manière, si on perd, c'est la preuve que c'était mal utilisé ou que c'était pas la bonne idée. Je vais peut-être mettre ces 2 cavaleries devant pour intimider parce que je sais qu'il va aller rusher la colline, ça. Ça ne fait strictement aucun doute. Il rush la colline, est-ce que j'essaie de l'intimider ou est-ce que j'essaie pas de l'intimider? Telle est la question. Je vais peut-être mettre ça à Shigaru Yari de ce côté-ci. Pour qu'il évite de venir me fatiguer. Peut-être de ce côté-ci. Si jamais il retient de la cavalerie pour passer ce côté. Oh, je vais le mettre par là, de toute manière. J'en ai déjà assez des Naginata de ce côté. Ça a rien à faire, un abus. Total. Ce qui m'énerve par contre, c'est le problème de sélection des unités. Comme vous pouvez le voir, ça c'est un problème que j'ai dans toutes les batailles. Je vois qu'à moitié mes unités sélectionnées là comme ça, et quand je suis en bataille, je sélectionne qu'à moitié aussi. Et moi ça me gêne beaucoup. Alors c'est pas la meilleure map pour amener beaucoup de moines. Parce que c'est les moines où il faut. Il est prêt, donc allons-y. Allons-y gaiement. Je ne suis guère optimiste. Mais on va se marrer. Allez, on est des fous. On rigole. C'est pas grave, franchement, je vous le dis. Tel que je le pense. Je vais vous dire que je suis pas si bon que ça. Et c'est vrai. Hein. Face à un joueur qui a 1500 batailles, qui a lance déséquilibré. Il a de l'expérience, hein, voilà, tout simplement. Il a beaucoup d'expérience. Quelque chose dont je manque cruellement sur ce jeu. Être bon, c'est une chose. Et l'expérience, c'en est une autre. Et l'expérience, c'est quand même assez... assez crucial. Alors je vais attendre qu'il avance, il a mis quoi comme cavalerie? Cavalerie de moine, cavalerie de moine, cavalerie katana, cavalerie naginata. Ok. Ok, ok. Bon. Bon, sa cavalerie finalement m'effraie un petit peu parce qu'il avait vachement bien utilisé. Il en avait encore à gogo, j'en tuais. Elle est pas gradée cette fois-ci. Si elle est gradée, ça, la katana, là, elle va me faire très mal. Ces samouraïs de naginata, ils ont encore 10 statistiques qui font peur. Qui font peur dans le dos. C'est clair et net, mais j'ai cette fois-ci 3 unités de katana. Alors n'ayons pas peur des mots. Je suis confiant. Je vais mettre ma cavalerie plus sur le flanc. Et cette cavalerie continue à avancer à couvert, si elle le peut. Il va me ralentir avec sa cavalerie, ça c'est bien joué. Je vais aller essayer de l'intimider. Ramenant ma cavalerie de nouveau. Je sais que de toute manière il veut que je ramène ma cavalerie pour essayer d'arriver derrière moi. Oh, oh. Alors celle-là elle était bien bonne. Celle-là j'ai envie de dire GG. Très très bien joué celle-là. Très bien joué, il va me forcer à faire l'erreur. Et je le sais. Mais il n'a pas encore vu ma cavalerie derrière on dirait. Ça c'est bien, il n'a pas vu ma cavalerie derrière. Vous me direz, c'est pas très utile. Mon armée du coup il a bien arrêté, mais ça c'est pas grave. Puisqu'il a pas d'archer. Je prends pas de risques extrêmes. On va
tirer ma case ici. Je suis un peu perdu là. Ça se passe mal. Ça se passe très mal, mes katanas se font massacrer littéralement. Aïe. Ouais, non mais dans des équilibrés, qu'est-ce que vous voulez que je fasse face à ce genre de choses? Voilà quoi. Je vous le dis comme je pense, hein, lance déséquilibré, bah, pour celui qui l'a pas, c'est un peu foutu de nos jours. Hein. Ça tue, bah, je trouve que ça tue un peu l'équilibre du jeu. Ceci dit, il a le droit d'utiliser, hein, de toute manière. Qui c'est qui va lui interdire d'utiliser un vassal présent dans le jeu? C'est tout à fait normal. Là, mon général va se faire dézinguer. Et mon armée avec lui. Derrière aussi. Ma tentative un petit peu ratée, bon c'est pas grave, j'aurais tenté, hein. Je vous ai dit, hein. J'étais là pour tenter. J'ai pris des katanas en sachant tout à fait pertinemment que c'était inutile, qu'ils allaient se faire complètement massacrer. Bon, j'ai peut-être aussi fait des grosses erreurs, ça je dis pas. Je dis pas que j'ai fait des grosses erreurs, je les ai vues moi-même. J'ai accumulé les erreurs, là dans cette bataille il a extrêmement bien joué. Il a très très bien joué et moi j'ai très très bien raté mon coup, voilà, tout simplement. Tout simplement. J'ai voulu prendre un pari, c'était un pari raté et de son côté c'était très bien joué mon brigand Wako. J'aurais dû faire exactement la même chose, il a joué très intelligemment donc gros GG à lui. Voilà, gros GG à Beauvais. Et on se revoit sur l'écran des statistiques. Bon bah grosse victoire de son côté, hein. J'en ai tué que 500 et j'en ai perdu 1349 là aussi, bah... Très très bonne armée de son côté, hein. Il faut dire les choses comme elles sont, ça me roule dessus littéralement. Il a très très bien joué dans cette map là, franchement il m'a épaté, excellent jeu de sa part, hein, franchement, rien à redire. Prenez exemple sur son jeu, parce que franchement c'était magnifique. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu, même si j'ai perdu les deux batailles, c'est pas grave. Hein. Il est 12 millions de fois meilleur que moi, hein, faut dire les choses comme elles sont. Et on se retrouvera à la prochaine vidéo, allez, ciao.